Voilà, on est à notre deuxième édition de Donne le sang ici au centre de santé de Kédougou. Voilà, comme vous savez, le don de sang, c'est d'abord un acte citoyen et allant dans le but de sauver des personnes qui sont dans le besoin. Et c'est pourquoi nous avons organisé cette deuxième journée aujourd'hui, qui est une journée qui a presque réussi, hein, comme vous pouvez le constater avec les volontaires qui sont déjà passés. Et on est à une vingtaine de poches présentement. Donc je peux dire que c'est une journée qui a bien démarré. Et nous appelons aussi d'autres volontaires pour venir donner un peu de sang afin que nous puissions renflouer la banque de sang à Kédougou. Parce que présentement, elle est complètement vide. Vous savez, le FACEP est un parti qui est un peu différent des autres. Alors on peut faire la politique autrement en se rendant beaucoup plus utile à la population. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire, être le plus présent aux côtés de la population. Donc je pense que ça s'inscrit dans ce cadre d'aider la population. Parce que le sang, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver au marché, qu'on ne peut pas trouver à la pharmacie. On ne peut trouver qu'à travers les personnes. Donc c'est dans ce sens que nous avons mobilisé et nos militants et tous les sympathisants et autres personnes de bonne volonté aussi et à venir nous accompagner dans cette initiative. Les futures actions, on est là et nous allons continuer aussi à sensibiliser, comme vous le savez. Actuellement, il y a un phénomène qui est au Sénégal, le phénomène de l'émigration clandestine. Donc nous allons sous peu commencer à sensibiliser le jeune pour qu'il puisse vraiment rester au pays et essayer de travailler ici. C'est mieux que de se jeter dans la mer. Et une satisfaction que nous tirons vraiment de cette initiative de PASTEF pour une deuxième édition. C'est un acte citoyen de haute volée parce que vous n'êtes pas sans savoir que Kédougou est une région où le manque de sang est un problème patent que nous vivons, nous ici au niveau du district. Nous avons tout le temps des difficultés pour avoir du sang à disponibilité pour prendre en charge correctement les patients. Donc toutes les initiatives qui contribuent à améliorer la disponibilité du sang, nous sommes vraiment preneurs et nous les encourageons. PASTEF a eu déjà à le faire il y a quelques mois. Il continue dans cette lancée-là et nous les en remercions chaleureusement et les encourageons à persévérer dans ce sens-là. Un mot pour la population. Pour la population, nous les incitons à suivre l'exemple des militants de PASTEF parce que donner de son sang, c'est un acte citoyen, c'est un acte humain avant tout. Et c'est quelque chose qui contribue vraiment à une meilleure prise en charge des patients et vous dire que aujourd'hui on peut être donneur, demain on peut avoir besoin de sang, nous ou bien un de nos proches. Donc à chaque fois que vous pouvez donner, venez au niveau du centre de santé, venez au niveau du laboratoire de la banque de sang. Nous sommes là. Pour les hommes, chaque 3 mois vous pouvez venir donner, pour les femmes chaque 4 mois, et ça permettra de sauver des vies. Donc venez, nous sommes là et nous vous remercions.